il parle au travers des hommes, et que lui-même soit béni. Oh, faisons une chose, c'est pas miraculeux, il n'y a rien de magique dans nos mains. Tendons nos mains vers... Je sens qu'il y a une grande liberté ce soir. Je sens que les personnes qui sont là sont libres. Amen. Alors nous bénissons Patrick. Nous bénissons Patrick. Remplis-le, remplis-le. Il me disait qu'il était fatigué. Et Seigneur, il y a des fatigues spirituelles, mais tu le oins ce soir. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu bénis l'église de Saint-Maximin. Amen. Nous sommes frères et sœurs. Et quand nous sommes frères et sœurs, nous portons les fardeaux des uns des autres. Merci de le remplir. Qu'il soit libre de le faire. Nous connaissons son cœur. Je connais son cœur. Et je sais qu'il va déverser avec amour. Parfois, il peut nous bousculer. Mais ta volonté, Seigneur, c'est d'aimer. Oh, mets des paroles d'amour et de feu dans son cœur ce soir. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Bonsoir. Ça va, tout le monde va bien? Gloire à Dieu. Très heureux d'être avec vous ce soir et merci pour la confiance et l'invitation de votre pasteur. Et très heureux de découvrir l'église de Narbonne. Je ne sais pas qui c'est qui était là hier, levez la main. Voilà, gloire à Dieu. Ok, donc il y a des nouveaux aujourd'hui. Donc, on est dans cette thématique, hein, je dirais, l'Église qui reçoit, l'Église qui envoie. Et le titre du message ce soir, ça va être l'Église qui reçoit et l'Église qui travaille. Je crois que le Seigneur veut se servir de chacun d'entre nous et qu'un réveil spirituel, il ne vient pas comme ça, mais... Dieu utilise des hommes et des femmes réveillés. Et Dieu veut nous réveiller. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je crois que Dieu veut nous parler ce soir. Il veut parler à cette église de Narbonne et il veut faire des belles choses. Je crois qu'il veut baptiser dans le Saint-Esprit. Je crois qu'il va avoir des guérisons parce que le Seigneur, il n'a pas changé. Vous le croyez? On va prier le Seigneur, vous voulez bien? On incline nos fronts. Seigneur, tu es là. Et sans toi, on ne peut rien faire. Mais au travers de toi, alors tout est possible. Seigneur Jésus, avec 5 pains, 2 poissons, un enfant t'a amené ça, et 5000 personnes ont été nourries, toute une foule a été nourrie. Et avec le peu que nous avons, tu peux faire beaucoup, Seigneur. Je crois ce soir que certains peut-être sont venus avec des questions, des aspirations, d'autres avec des frustrations, d'autres avec peut-être, comme on vient d'entendre, des préoccupations. Mais tu connais toutes choses, tu es là ce soir, Seigneur, et tu veux parler à nos cœurs. Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, que je puisse être cet instrument entre tes mains et que tu puisses parler à nos cœurs et te manifester dans cette soirée. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Je vais essayer de monter ça, là. Comment ça marche, ça? Voilà, nickel. Ça monte tout seul, nickel. Alors ça fait quelques années qu'on se connaît avec Sam, hein, et j'aime beaucoup votre pasteur. Et voilà, j'aime son cœur, c'est vraiment quelqu'un qui aime la présence de Dieu et qui a soif des choses d'en haut. Non? Amen, hein? Et si Dieu l'a envoyé vers vous, c'est pour vous bénir et pour que soit cet instrument au milieu de vous. Et je le crois que Dieu va l'utiliser. Il l'utilise déjà et il va continuer à le faire avec son épouse Sylvie et leurs enfants. J'aimerais vous parler de l'Église. L'Église, elle est comparée dans la parole de Dieu de différentes manières parce qu'il y a différents aspects de l'Église. C'est une famille, on est une famille les uns et les autres, oui ou non? Hein, l'Église est comparée à une épouse, elle est comparée à une armée. On va voir certains aspects au travers du Proverbe 31 ce soir. Et quelques points comme ça que Dieu veut nous révéler, veut nous transmettre pour que l'Église puisse aller plus loin. Je crois que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Je crois que, que la parole de Dieu a ce pouvoir de communiquer à nos cœurs la foi. Et alors peut-être ça nous est déjà arrivé qu'on était découragé, qu'on était frustré. Il y a des frustrations dans la vie chrétienne aussi, hein. Et de suite un moment dans la présence de Dieu, un moment où on se rappelle les promesses de Dieu et ça enflamme notre cœur, oui ou non? Amen. On se rappellera les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils sont fracassés là, comme on dit à Marseille là.
Ils sont découragés, ils n'en peuvent plus, ils pleurent, ils sont là, ils sont sur le chemin parce que Jésus est mort. Et Jésus va prendre une autre apparence. C'est écrit comme ça. Il va prendre une autre apparence, il va se déguiser. Et alors qu'il va faire route et chemin avec eux, il va dire, mais pourquoi vous êtes triste? De quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez si triste? Mais tu n'es pas au courant, Jésus qui était un prophète en parole et en puissance, on croyait que c'est lui qui allait nous libérer, ben, ma foi, il est mort. Et Jésus va leur dire, ô homme sans intelligence, lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Jésus va citer les Écritures et eux-mêmes vont le déclarer, notre cœur ne brûlait-il pas en chemin lorsqu'il nous citait les Écritures? Oui ou non? Jésus a enflammé leur cœur alors qu'ils étaient découragés, alors qu'ils étaient dans l'incrédulité, alors qu'ils n'avaient pas compris pourquoi Jésus est venu. Il y a peut-être des choses que tu ne comprends pas. Tu es peut-être découragé ce soir. Et bien souvent, notre découragement peut venir du fait qu'on ne s'entretient pas des bonnes choses. C'est impossible, et j'arriverai jamais, et on l'a entendu, on connaît toutes ces choses. Hein. De quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez si triste? J'aimerais dire, de quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez en fuego? Vous êtes là? Entretenez-vous par des critiques, c'est ça? Hein? Des méchancetés, de la malveillance. Entretenez-vous par des cantiques, alléluia, c'est ce qu'on a fait. Entretenez-vous par des hymnes, entretenez-vous par des prières, élevez votre âme, alléluia. C'est important de nous disposer lorsqu'on vient à l'église. On va voir certains points importants. C'est quoi une réunion? Si je pose la question à plusieurs d'entre vous, j'aurai des réponses différentes, c'est sûr et certain. Si je pose la question, c'est quoi une réunion pour toi? Ben, moi, si je connais les chants, je fais chanter. Ah, tu fais chanter. Ok. Non, c'est pas tu fais chanter. C'est pas tu es là comme ça et on fait nos petites réunions, nos petits chants. Hein? L'église, c'est un champ de bataille. Et quand on commence à chanter, on est là pour disposer les cœurs et on est là pour faire une percée spirituelle. Voilà, amen. L'Église a besoin de comprendre c'est quoi une réunion. Pourquoi on se rassemble? Pourquoi on se retrouve dans ce lieu? Alléluia. On se retrouve dans ce lieu pour être transformé par Jésus. On est unis, on combat pour un même objectif, une même direction. C'est que Dieu soit au milieu de nous, qu'il nous parle et qu'il y ait une percée spirituelle, qu'il y ait des guérisons et des délivrances. Et quelqu'un peut dire amen. Alléluia. On ne vient pas juste pour faire une petite réunion. On ne vient pas juste pour chanter notre chanson. Ce n'est pas un karaoké. Hein? Ok? Ah ouais. Mais des fois, c'est un peu ça. Vous savez, j'ai tourné dans des églises, dans plusieurs pays, des petits auditoires, des auditoires de 4 000, 5 000 personnes. Et en fait, les problèmes, je les vois toujours les mêmes. Il y a certaines églises où les gens sont réveillés, et sur l'estrade aussi, où ils sont conscients du travail spirituel, et certains ne sont pas conscients de ce qui se passe, et c'est quoi mon rôle, c'est quoi ma place, pourquoi je suis là. C'est quoi la louange? Oh, la louange, c'est ça, la louange, c'est ça. La louange, c'est que tout ce que je dis, vous m'écoutez? Tout ce que je fais, élève la personne de Jésus. C'est quoi un adorateur? Tout ce que je dis, tout ce que je fais, élève la personne de Jésus. C'est quoi une église où il y a l'onction? C'est quoi l'église où il y a la manifestation de l'Esprit de Dieu? C'est des hommes, des femmes qui sont placés en service, qui sont consacrés à Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, élève le Seigneur. Moi, ça m'est déjà arrivé de venir dans une église, dans mon église avant de prendre l'église de Saint-Maximin, que des gens, ils venaient à l'église que quand ils étaient de service. Et c'était très étonnant, ça. Ils étaient capables de louer, de chanter quand ils étaient sur l'estrade, mais à l'église, on ne les entendait jamais louer. Un adorateur, il loue sous sa douche, il loue dans sa voiture, il loue quand il vient à l'église. Un adorateur, il élève le nom de Jésus, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Quelqu'un peut dire amen.
Amen. Je ne suis pas en colère. C'était une petite introduction. Proverbe 31. Allez, on va lire, on va exposer, on va voir quelques points ce soir ensemble. Proverbe 31, verset 1er. Parole du roi Lémuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils ? Que te dirais-je, fils de mes entrailles ? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux ? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donner des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et il oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, et défends le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe, elle ne s'éteint point pendant la nuit. Et elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Version Semeur dit, ses mains filent la laine hein, et ses doigts tissent des vêtements. Verset 20, elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie, elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et elle les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse. La beauté, elle est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et aux portes de ses œuvres, que ses œuvres la louent. Amen. Alors, c'était un peu long, mais je pense que toute la parole de Dieu, elle est utile, comme c'est écrit, pour notre instruction et pour nous convaincre, nous reprendre, nous avertir, nous nourrir. Est-ce que vous le croyez ? Quand on lit le mot « vertueuse », là, pourquoi je dis « c'est une image de l'Église » ? Parce que l'Église est comparée à une épouse, ok ? La Bible dit que Jésus revient bientôt et nous sommes dans les temps de la fin. Et ce n'est pas étonnant, vu tout ce qui est en train de se passer. Vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre. Et on est dans les temps de la fin. Jésus revient chercher son épouse. Le Seigneur ne vient pas chercher des chrétiens par-ci, par-là. Il revient chercher une épouse. Des hommes, des femmes qui sont attachés les uns aux autres, qui sont une famille, des chrétiens et des chrétiennes réveillés, vous m'entendez ? Amen. Jésus ne vient pas chercher des pierres éteintes, mais des pierres vivantes. Jésus ne vient pas chercher des gens qui vont à l'église, Jésus vient chercher l'église vivante. Alléluia. Et le mot vertueux qui est utilisé là en hébreu, en fait, ce même mot, il est utilisé dans plusieurs versets pour dire que c'est une armée, des gens capables, quelqu'un de vaillant, quelqu'un de fort, un soldat, un héros, quelqu'un de courageux, de riche, de brave, d'honnête, une suite, une troupe. Ce même mot est utilisé dans cette pensée-là, dans plusieurs versets de la Bible. Amen. En fait, cette épouse, cette femme vertueuse, c'est une femme de caractère, mais dans le bon sens du terme. Hein? Parce qu'il y en a qui ont du caractère, mais ça ne va pas dans le bon sens. Hein? Vous en avez ça, le caractère.
Mais elle est sage, elle est prévoyante, elle est aimante, elle est active, elle est généreuse, elle est habile et elle est pieuse. Elle recherche les intérêts des autres avant de chercher ses propres intérêts. L'Église, elle est appelée à grandir spirituellement. Vous savez, quand on a commencé l'Église à Saint-Maximin, on était un groupe de 7 personnes. 7 personnes, il y a 13 ans, on arrivait avec mon épouse. Et Dieu nous a envoyés là-bas. Et c'était un endroit assez ténébreux. Et Aimé Cizeron, quand il a planté la tente à Saint-Maximin, de partout, il avait un gros impact. À Saint-Maximin, il a planté la tente pendant une semaine. Il n'a eu aucun inconverti. Il n'a eu aucune personne qui est venue. C'était une ville avec une grande opposition. Il a planté la tente, il a ouvert à un moment donné, il avait un bureau, un tiroir, et un serpent est sorti. Et il priait que cette ville, il y ait une percée spirituelle, et alors qu'il y est allé peut-être 30-40 ans avant, 40 ans après, il y a eu une percée spirituelle, gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, à Saint-Maximin, il y a une famille de Dieu, il y a une église vivante et réveillée. Amen. Amen. Très vite, quand je suis arrivé, vous savez, quand on est dans le ministère, il y a des bonnes choses et des moins bonnes. Des fois, on est pasteur, on est formaté. Hein? Et on a pris un pli, on a une façon de faire. Et des fois, on peut faire, malheureusement, chrétien, je parle de pasteur, mais je peux parler aussi des chrétiens. On fait les choses, on ne sait même pas pourquoi on les fait. Et on ne comprend pas vraiment, véritablement, le sens des choses. OK? Et quand j'ai commencé, vraiment, ça a été des temps de jeûne et de prière, des temps d'action du Saint-Esprit où les pasteurs le pasteur que j'étais et les gars que j'avais mis en place, Dieu commençait à nous reprendre à nous et le Saint-Esprit agissait en profondeur et on versait des larmes. Et on s'est retrouvés à genoux et on s'est retrouvés à terre, à pleurer sur notre péché, sur le fait que le premier obstacle, ce n'est pas le diable, mais c'est moi-même. Je peux être cet obstacle. Et on a commencé à rentrer dans des temps de jeûne et de prière. Une semaine, deux semaines. Des gens rentraient dans l'église parce qu'ils se sentaient poussés par une force. Ils marchaient dans la rue, ils se sentaient poussés par une force. Ils rentraient dans l'église, manifestation démoniaque, délivrés, et ils donnaient leur cœur au Seigneur. L'église a commencé comme ça le premier mois, elle est passée de 8 personnes à 40 personnes. L'église est devenue autonome en 2 mois. Baptême dans le Saint-Esprit, guérison, délivrance démoniaque. Alléluia! Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont prié pour qu'il y ait une percée spirituelle. Parce que nous, on a été capables de se réformer et de demander pardon au Seigneur. Et pas de dire, nous on sait faire, on est des professionnels du chant, on est des professionnels de l'église. Non, on a dit, Seigneur, sans toi on ne peut rien faire. Celui qui qualifie, c'est ton Saint-Esprit. Alléluia. Je bâtirai mon église. Jésus veut bâtir son église, mais pas avec nos années d'expérience, pas juste avec ce qu'on sait, quoique l'expérience est importante. Mais ce qui est le plus important, c'est que je sois régénéré par le Saint-Esprit. Après la résurrection, parce que rien n'est possible sans la croix. Après la résurrection, Jésus leur a dit, « Oh, vous n'allez ni à droite ni à gauche, commencez pas là, hein. Vous allez là-bas, à Jérusalem, jusqu'à ce que vous receviez le don du Saint-Esprit. » Et ils ont attendu. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres que Jésus s'est révélé à 500 personnes. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient 120. Ce n'est pas écrit comme ça? Ils sont où les 380 autres? Écoutez-moi bien ce que je vais dire. Jésus parle à son église et il fait un tri dans son église. Et dans cette église, il va y avoir un tri qui va être fait. Ce qui va être révélé, ceux qui sont superficiels, ceux qui sont, qui ont une apparence et ceux qui en veulent vraiment. Les 120, c'est ceux qui ont persévéré jusqu'au bout et qui avaient soif et qui en voulaient vraiment. Ils n'étaient pas parfaits. Dieu ne choisit pas des hommes et des femmes parfaites, mais des hommes et des femmes qui reconnaissent leur faiblesse et qui croient jusqu'au bout et qui persévèrent jusqu'au bout. C'est celui qui persévère jusqu'au bout qui sera sauvé. Et alors qu'ils étaient 500 au début, ils chantaient des cantiques, alléluia, gloire à Dieu. Le deuxième jour, ils étaient plus que 450, après ils sont passés à 400, après ils sont passés à 350. Une semaine est passée. Est-ce que vraiment ça va arriver? Est-ce qu'on a bien compris ce qui est arrivé? Jusqu'à ce qu'ils arrivent à 120, il y a eu un tri qui va être fait. Il y a un tri que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de chercher des guerriers et des guerrières.
une épouse vertueuse, une église réveillée, alléluia, une église qui travaille, une église qui jeûne, une église qui prie, une église consacrée. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Amen. Vous savez, quand on a commencé, il y a eu vraiment des belles réformes qui ont été faites. Et l'église a grandi, Dieu nous a montré des choses, on a vécu des choses incroyables. Il y a eu des combats aussi, parce que la vie chrétienne aussi, c'est des combats. On revient à notre texte et on est en train de parler que l'église est appelée à grandir spirituellement. Vous êtes d'accord avec moi? Écoutez bien. Paroles du roi Lémuel, par lesquelles sa mère l'instruisit. Proverbe 31, verset 1er. Le nom Lémuel, c'est-à-dire le fils de cette femme, qui est roi, veut dire consacré à Dieu, voué à Dieu. Et avant de régner, en fait, eh ben, c'était un enfant comme les autres. Entre guillemets, on est pasteur, on a des enfants, et les enfants de pasteur ne sont pas plus saints que les autres. Hein? Ils mentent, ils font des bêtises comme vos enfants. En fait, nos enfants sont des enfants normaux. Et un pasteur, c'est un gars normal qui a ses problèmes, il les porte, comme vous, au quotidien. Il se lève le matin et des fois, il est en forme, des fois, il n'est pas en forme. Des fois, il se lève du bon pied, des fois, du mauvais pied. Des fois, il a un bon caractère, des fois, il a un sale caractère. Hein? Et ouais. Et en plus, il a vos problèmes. Bienvenue dans l'appel de Dieu. Voilà, donc priez pour votre pasteur parce qu'il a les siens, problèmes, comme vous. Il y a des problèmes de problèmes dans le foyer, des difficultés financières, des difficultés de toutes sortes. Et en plus, il a vos problèmes. Donc, priez pour votre pasteur, priez pour vos pasteurs, aimez vos pasteurs, gloire à Dieu, parce qu'eux, ils sont exposés par amour pour vous. Quelqu'un peut dire amen. Alors, je parlais de formatage. Vous êtes encore avec moi? Bon, il m'a dit que j'avais tout le temps, je pouvais prêcher jusqu'à 22h. Donc, vous aimez la gloire à Dieu. Vous aimez la parole, la gloire à Dieu. Alors, on lit que ce roi Lémuel, avant d'être roi, il était enfant, et sa mère l'instruisit. Écoutez bien. Qu'est-ce qui est parent ici qui a des enfants? Levez la main. Ah, il y en a pas mal. Donc, vous qui n'êtes pas encore parent, demandez des conseils déjà, hein, et peut-être... c'est bien de savoir ce qui se passe une fois qu'on le devient. Il y a des bons côtés, mais il y a aussi des côtés de responsabilité qu'il faut assumer aussi. Hein. Demandez surtout aux mamans, elles savent. Cette maman, elle va instruire son fils Lémuel, elle va lui parler. Cet enfant va grandir et il va gagner en autorité, il va devenir roi et il est appelé à régner. Et Dieu nous appelle à régner à tous. En tant qu'Église, sur nos pensées, à régner, à avoir une autorité sur l'ennemi de notre âme. Mais d'abord, on doit être instruit. D'abord, on doit être formé. Il n'est pas devenu roi comme ça. Ce n'est pas venu comme ça. Je parlais de formatage tout à l'heure. Vous savez, des fois, on fait des choses. Même des fois, on peut prendre la Sainte-Seine. On peut chanter. On peut faire des choses. Et on le fait par habitude, d'une manière peut-être religieuse. Hein? Et j'espère que ce n'est pas votre cas. En tout cas... Chantiez que vous chantiez de tout votre cœur ce soir. Quand j'ai commencé le ministère, alors pour ceux qui ont entendu mon témoignage hier, hein, vous savez que voilà, moi je sors d'une famille, c'est compliqué, où ma grand-mère était sorcière, où j'ai grandi avec des esprits mauvais, mon papa était possédé par des esprits impurs, c'était un ancien légionnaire, alcoolique, qui nous mettait des coups à la maison. Donc j'ai été livré à moi-même, à 9 ans déjà, je fumais 2 paquets de Gaulois sans filtre, et j'ai fait les 400 coups. J'ai eu une enfance assez compliquée, difficile. Peut-être d'autres ont eu des enfances plus compliquées que la mienne, mais en tout cas, ça, c'est mon histoire. Et jusqu'à ce qu'un jour, l'Évangile pénètre mon cœur, change ma vie. Et ça a changé ma vie et ça a changé aussi la vie de mon papa. Mon papa a abandonné sa colère, mon papa a donné sa vie à Jésus. Il a été délivré des esprits impurs. J'étais tout jeune, moi, j'avais 16, 17 ans quand j'ai donné ma vie à Jésus. Mais avec un jeune homme de 17 ans, le Seigneur s'en est servi et mon papa, il a été changé. Et quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, quel que soit ton passé, Dieu, il veut t'utiliser.
Tu n'es pas rien du tout. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Donc Dieu a fait vraiment un miracle. Je suis passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et ça a été un véritable miracle dans ma vie. Et quand je me suis converti, j'ai vécu toutes sortes de miracles rapidement, en fait. Je vais dans une réunion, en fait, j'allais dans une réunion où il y avait beaucoup d'Espagnols, là, de Gitans, là, vieille lumière au tout début, et je racontais mon témoignage, que j'étais allé au ciel, que Jésus avait changé ma vie, il y avait une grâce particulière parce que Jésus était rentré dans mon cœur. Et à un moment donné, je pose la main sur un gars qui était à côté de moi. Et ce gars, il se met à parler en langue. Et tout le monde dans l'assemblée, on était un petit groupe de 20 personnes, se met à crier. Mais je ne sais pas si c'était des cris de peur ou c'était des cris de joie. Parce que ce gars, il était né muet. Et il s'est mis à parler en langue. Et après, quand ils m'ont dit, mais ce gars, c'est un muet de naissance. Et qu'il s'est mis à parler en langue, même moi, je me suis mis à crier. Non, je rigole. Mais tout ça pour dire, je crois que quand on est éclaboussé par la présence de Dieu, ça reste pas là, mais ça se propage. L'Église est appelée à être contaminante, contagieuse. Je ne sais pas si c'est français, contaminant, mais ça sonnait bien à mon oreille. J'ai senti. Donc quand je me suis converti, vraiment assez rapidement, je suis parti en Roumanie, j'ai fait une mission, j'avais 18 ans, en 89, c'était Ceausescu qui était tombé, tout ce régime communiste, et on était dans le centre-ville avec un groupe de jeunes, de jeunesse en mission, on annonçait l'évangile, et là des hommes en chaise roulante se levaient instantanément sur la puissance du Saint-Esprit, et on a vécu d'énormes guérisons. Et en fait tout ça pour dire que ma jeunesse a été baignée par le miracle. Et à un moment donné, quand tu vis des choses comme ça, soit tu te dis, ben, tout est grâce, c'est le Seigneur qui fait des miracles, soit tu penses que tu es exceptionnel et l'étoile du matin. Et là, le Seigneur te dit, tu n'es pas l'étoile du matin, c'est moi l'étoile du matin. Et c'est moi qui fais les miracles. Donc, à l'âge de 20 ans, 21 ans, je me suis associé avec un inconverti, alors que mon épouse me disait, Pat, la Bible a dit de ne pas se mettre dans un joug étranger, ne te mets pas avec un inconverti. Des amis chrétiens aussi me l'ont dit. Mais bon, quand on est l'étoile du matin, on croit qu'on est meilleur, on n'écoute jamais et on fait toujours comme à notre tête. Hein? Non? Ah, vous avez jamais fait d'erreur? Ah, moi, j'en ai fait plein. Du coup, j'écoutais pas, j'ai fait comme j'avais envie de faire. Et en fait, vous savez, quand j'ai raconté hier que j'étais allé au ciel quand j'ai vécu ma conversion, le Seigneur m'a amené dans un endroit et m'a montré deux colonnes. Une colonne brisée et une colonne terminée et achevée. Voilà, je ferme la parenthèse. Et là, je me retrouve à l'âge de 20 ans à m'être associé avec un inconverti. 3 ans après, les gendarmes viennent à la maison. J'étais chrétien, engagé dans l'Église, je marchais avec le Seigneur, je donnais des dons spirituels. Vraiment, Dieu m'utilisait. Mais j'aimerais dire, en toute objectivité, que j'aimais le Seigneur, mais que j'étais devenu tiède, en fait, et que j'étais devenu un religieux. Mais j'allais à l'Église, j'aimais le Seigneur, mais sur beaucoup de points, j'étais devenu un religieux, parce que ma priorité n'était plus de marcher avec le Seigneur, mais c'était de réussir ma vie. Hein? J'ai toujours manqué de tout dans mon enfance, donc il y a eu une faille dans mon cœur, c'est que j'avais besoin de prouver que je n'étais pas rien du tout et que je pouvais réussir. Et ça, c'est un véritable danger. C'est un véritable danger. Mais Dieu, merci Seigneur, et s'est servi de mes erreurs pour m'apprendre beaucoup de choses. Le plus important dans la vie, c'est d'apprendre. Et moi, j'ai beaucoup appris. Et ouais, bon, tant mieux, j'ai appris. On apprend à nos dépens des fois. Donc la police vient à la maison le matin. Ma femme était enceinte de 8 mois et quelques, de notre premier enfant. Et là, voilà que les gendarmes disent, voilà, monsieur, vous êtes en garde à vue. Votre associé trafique d'armes. Il dit qu'il a partagé avec vous des centaines de milliers d'euros et tout ça. Bon, moi, tout bien entendu, ce n'était pas vrai. Hein. Moi, je ne savais même pas qu'il faisait du trafic d'armes. Mais bon, je n'avais pas à m'associer avec un inconverti aussi. Voilà les conséquences de la désobéissance.
Hein? Il y a toujours des conséquences à la désobéissance. Il m'emmène à la gendarmerie, 48 heures en garde à vue. Je vais devant le procureur de la République. Et là, le procureur de la République, il dit, voilà, monsieur, votre associé, il a dit ça. En attendant, on va faire une enquête. Et pour l'instant, vous allez en prison. Et moi, j'étais là. Quoi, il y avait une avocate commis d'office. Elle dit, mais monsieur, il va être bientôt papa. Ben, il sera un papa, comme beaucoup, en prison. Oh là, bim, bam, boum, il me tombe un truc sur la tête. Et les menottes, et direction la prison. Et là, j'arrive, c'est tout mon monde qui s'effondre. Vous imaginez ? Tu fais la prison avant de connaître Jésus. Ok, c'est ta vie d'avant. Tu vas en prison après ta conversion. Ça, c'est pas normal quand même, c'est un peu bizarre, tu vois. Et là, tu te retrouves, il y a tout qui s'effondre. Et là, quand j'arrive en prison, j'ai mes anciens collègues de quartier. Oh Patrick, on savait que ton truc évangélique, c'était une couverture. Viens là, frérot, viens là, frangin. Alors, on rigole, hein, j'en plaisante aujourd'hui, mais à l'époque, j'avais pas envie de rire. Hein. Je dis, punaise, quel mauvais témoignage j'ai là, ça craint grave. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit. Je suis allé dans la cellule, j'ai pleuré toute la journée. Et là, je réalisais que je m'étais vraiment éloigné de Dieu. J'ai réalisé que j'avais perdu l'essentiel. J'ai réalisé que j'avais perdu le feu, en fait. Ça a été difficile, je vous l'avoue pas, je vous l'avoue. Hein. Je voyais 1h30 ma femme par semaine au parloir. Je n'ai pas vu la naissance de mon premier enfant. J'ai pleuré. Ça a été très, très dur. Mais c'est en prison que tout à nouveau, je suis redevenu réellement libre. J'ai crié à Dieu, et quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et là, tout à nouveau, le Seigneur a commencé à régénérer mon cœur. Et là, tout à nouveau, le Seigneur a commencé à réveiller mon cœur. Alors, je ne dis pas que c'était simple, ça a été très compliqué, et 6 mois, je vous garantis que c'est long. Et je me rappelle, je vais en promenade, et tout à nouveau, je réentendais la voix du Seigneur. Quand on est orgueilleux, on ne se soucie pas des autres, on est centré sur nous-mêmes. On est centré sur nos intérêts, sur nos... Moi, j'ai des problèmes, mais on ne voit pas les problèmes que les autres peuvent avoir. Quand on est orgueilleux, orgueilleuse, on est susceptible, on prend mal les choses quand on nous reprend. On trouve toujours des excuses. C'était mon cas. Mais là, quand tu es brisé, tu te vois tel que tu es. C'est-à-dire, rien du tout. Et que si tu es debout, c'est une grâce de Dieu. Et là, mon regard a changé. J'ai été instruit par le Seigneur, comme Lémuel a été instruit. Et le Seigneur a commencé à m'apprendre que tout est grâce et que tout vient de lui. Là, le Seigneur a commencé à m'enseigner que sans brisement, il n'y a pas de transformation et que j'avais besoin d'être brisé pour devenir une colonne dans la maison du Seigneur. Ça, alors, on ne l'apprend pas à l'école biblique, mais on l'apprend dans la vie de tous les jours avec le Seigneur, quand on est sensible et ouvert à Dieu. Je suis en promenade, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, j'en sais rien. En promenade, il y a un grand terrain, on va dire, hein, et on marche tous dans la même direction. Voilà. Pourquoi? J'en sais rien. Et tous, les uns derrière les autres, on est 200, 300, et on marche comme ça. Et à un moment donné, pendant que je suis en train de marcher comme ça, le Seigneur, il me parle, et il me dit, il me donne une parole de connaissance, et il me dit, va voir cet homme là-bas. C'était le seul homme que personne lui parlait. Il faisait 250 kilos, et ça faisait 20 ans qu'il était là. Donc, on se dit qu'il n'était pas là pour rien. Et on peut comprendre que quand tu le voyais, que personne n'osait lui parler. Et là, quand le Seigneur me dit d'aller le voir, d'un coup, je marche à l'envers. Tout le monde marchait dans la même direction et moi, je marchais à l'envers. J'étais là, non, Seigneur et tout, je ne vais pas aller le voir. Ça vient vraiment de toi, Seigneur. Ça vient certainement de moi. Vous n'avez pas remarqué que des fois, quand Dieu nous parle, c'est pas on voit le Seigneur, il nous parle. Patrick, j'ai des choses à te dire. Non, il te parle dans ton cœur et il y a un combat à l'intérieur de toi. Tu te dis, est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Non? Et voilà que là, je vais le voir, je dis bonjour, je suis encore en vie là ou quoi?
J'ai dit, voilà, je m'appelle Patrick et tout ça. J'ai pris le Seigneur, je connais le Seigneur. Il me regarde comme ça. Et moi, j'étais là. Bim, bam, boum, bam, boum, bam, boum, bam, boum, bam. Et voilà, je dis, voilà, tous les soirs, tu écris des lettres à Dieu et tu demandes au Seigneur qu'il te fasse un signe. Tu fais des prières à Dieu, tu dis ça au Seigneur. Et le Seigneur, ce qu'il veut, lui, c'est ton cœur. Et voilà qu'un gars de 250 kilos se met à pleurer et à me dire, « T'es qui, toi ?» Et moi, je dis, « Je suis encore vivant. » Et voilà que ce gars, il commence à m'ouvrir son cœur. Et voilà qu'on se met à prier ensemble. Et voilà que ce gars, il donne son cœur au Seigneur. Il parlait à personne, il est devenu mon copain et plus personne m'a embêté en prison. Gloire à Dieu. J'aimerais dire que c'est quelque chose d'extraordinaire quand on plie le genou. C'est quelque chose d'extraordinaire quand on reconnaît notre faiblesse. C'est quelque chose de tellement beau de laisser le Seigneur nous reprendre. Parce que tout à nouveau, ou alors qu'on ne l'a jamais connu, il ouvre notre regard. Et notre regard n'est plus centré vers nous, mais il est centré vers les autres. C'est ça l'Église. La femme vertueuse, elle se lève le matin, on l'a lu, et elle va loin chercher le pain. Elle ne fait pas les choses pour elle, elle fait tout pour ses enfants. Elle instruit ses enfants, elle transmet des valeurs à ses enfants. Elle a un témoignage. L'Église du Seigneur a un témoignage. C'est pas à ma manière, c'est à la manière de Dieu. C'est pas à ma façon, mais c'est à sa façon. C'est pas avec orgueil, mais avec humilité. Eh oui. Il n'y a pas plus grand roi que Jésus, oui ou non? Mais il n'y a pas plus accessible que lui. Même les enfants couraient et se jetaient dans ses bras. Il n'y a pas plus grand, mais il n'y a pas plus humble non plus. Et si dans ce monde, l'humilité est vue comme une tare ou un défaut, Jésus était doux et humble de cœur et il nous appelle à le ressembler. À ce que nous, chacun d'entre nous, on se mette à la portée des autres. Parce que servir Dieu, l'Église de Jésus-Christ, c'est ça, se mettre à la portée des autres. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Voilà ce que va dire sa mère à son fils. Voilà le conseil qu'elle lui donne alors qu'il est roi. Fais pas comme les autres. Fais pas n'importe quoi. C'est pas parce que tu as le pouvoir, c'est pas parce que tu peux le faire que tu vas le faire. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Elle dit à son fils qui est déjà adulte, qui est roi, attention à l'alcool, attention aux femmes. Et les pasteurs, votre pasteur, j'imagine, qui vous le dit? Attention à l'alcool, attention au péché. Non, il ne le dit pas. Ça m'étonnerait. Elle avertit. Pourquoi elle lui dit attention à l'alcool? Parce que ce genre de lien, il détruit notre vie. Et je sais de quoi je parle. Mon père est alcoolique. Dans ma famille, il y a beaucoup d'alcooliques. Et ça te vole ta lucidité. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à perdre notre lucidité, mais nous sommes appelés à être des hommes et des femmes qui ne cherchent pas les choses du monde, mais qui cherchent les choses d'en haut. Dieu appelle l'Église à avoir du discernement. Discernement, en hébreu, veut dire voir clair. Dieu appelle son peuple à voir clair. Alléluia. À être lucide, à voir les choses comme il faut les voir. L'orgueil, l'alcool, c'est terrible. Hein? Je disais, dans ma famille, c'est les ténèbres. Mon père était délivré des puissances de ténèbres. Et il y a 2 ans, j'ai un cousin, on ne se parlait pas depuis 10 ans, hein, un peu plus vieux que moi. Et il ne voulait rien savoir de Dieu, rien qu'il se moquait. Quand on se voyait, ouais, Dieu, nanana, bon, il ne voulait rien savoir, il était athée. Mais... Et un jour, il m'appelle. Je priais pour lui, hein. Il me dit, Patrick, il dit, Florian, il dit, ça va? Et là, il pleure. Je dis, ouf, alors, je dis, qu'est-ce qui se passe, mon cousin? Ça fait 10 ans que je n'ai plus parlé. Il me dit, Patrick, il me dit, je suis tombé dans l'alcool, dans la drogue. Ma femme m'a quitté. Je me suis retrouvé dehors. Quelqu'un m'a parlé de Jésus.
Je suis allé dans une église évangélique. Un gars était là, qui prêchait, je crois qu'il s'appelle Franck Alexandre, il me dit. Il a prêché, je suis venu à l'imposition des mains. Et là, j'ai su que c'était la vérité. Il me dit, je te demande pardon, Patrick. Il me dit, je te demande pardon, je n'ai pas cru, je suis passé à côté pendant des années. Et là, on a recommencé à faire contact, à se voir. Et alors qu'il n'était pas encore converti, il me dit, voilà, j'aimerais être délivré de cet alcool. Il buvait 3 litres d'alcool par jour. 3 litres. Il me dit, tu peux prier pour moi? J'ai dit, ok. Au moment où je commence à prier pour lui, il y a une manifestation démoniaque. Il se lève du sol, plaqué contre le plafond. Sa voix, elle change. Il tombe par terre. Et quand il se retrouve par terre, il est délivré entièrement, complètement par le Seigneur. Tu n'as pas à te boucher les oreilles, c'est la vie chrétienne normale. Mais tu n'as pas à avoir peur. Mais personne trouve ça bien, les puissances des ténèbres. Mais par contre, c'est une réalité. Et Dieu nous appelle, non pas à avoir de l'appréhension, mais Dieu nous appelle à croire en l'autorité qu'il a mis en nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Est-ce que tu sais que tu as une autorité dans le Seigneur? Tu as une autorité. Et je n'ai pas plus d'autorité parce que moi, je suis pasteur. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que si la parole de Dieu a autorité dans ta vie, tu as une autorité. Mais si la parole de Dieu n'a pas autorité dans ta vie, tu n'as aucune autorité. Ce qui me donne de l'autorité, c'est la parole de Dieu. Amen. Mon cousin, il s'est converti. Il a donné sa vie à Jésus. Et 3 mois après, je suis allé à l'église de Cavaillon et j'ai prêché l'évangile et je l'ai vu passer dans les eaux du baptême. J'aimerais dire gloire à Dieu. Et il a trouvé sa lucidité, il a vu clair. Là, on parle d'alcool, mais il y a tellement de choses qui nous volent notre lucidité, notre désobéissance, notre égoïsme, notre égocentrisme. Il y a beaucoup de choses qui nous volent notre éclairage. Et Dieu met en place des bergers qui sont là pour dénoncer par la parole de Dieu certains traits de notre caractère, pour que ça soit pas mon caractère, ça soit pas moi, mais Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Quelqu'un peut dire amen? Verset 8, « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche et juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. » Verset 9. Ouvre ta bouche, punaise. Ouvre ta bouche. Est-ce que l'ennemi a réussi à fermer ta bouche? Il n'est pas question d'ouvrir sa bouche pour critiquer, pour calomnier. Et le pasteur, il est ceci, et le pasteur, il est cela. Ou, ça va, pasteur? On lui fait un grand sourire et derrière, je craque, craque. Bon, peut-être ici, ça n'arrive pas. Hein. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai pris des couteaux. Maintenant que je suis mort, je suis mort. Il n'est pas question d'ouvrir sa bouche pour semer la confusion, la division, mais pour aider, bénir, défendre et protéger. Par nos décisions, nous fermons notre bouche tout seul. Eh ouais. Quand j'ai décidé de ne pas écouter et de m'associer avec un inconverti et de faire les choses à ma manière, je me suis fermé la bouche tout seul. Ce n'est pas l'ennemi qui me l'a fermé, c'est moi qui me la suis fermé tout seul, en désobéissant. Le péché a pris ses droits et le monde, tout à nouveau, est rentré dans mon cœur. Il a fallu que le Seigneur déloge les choses du monde pour que tout à nouveau, ma bouche se remette à parler de lui. Je crois une chose, mes amis, c'est que l'Église de Jésus-Christ est appelée à annoncer l'Évangile. Comment les gens croiront-ils s'ils n'attendent pas le message de la croix? Le message de la croix d'être annoncé. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Ça fait combien de temps que tu n'as pas parlé de Jésus? Alors attention, je ne juge personne, je ne veux culpabiliser personne. Je veux dire, on a le droit d'avoir de l'appréhension. Mais c'est un ordre du Seigneur. On appelle ça l'ordre de mission. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Annoncez la bonne nouvelle du royaume. C'est quoi? Repentez-vous. Parlez du péché, que le péché c'est grave, au point que Jésus a dû mourir pour ça.
Mais annoncez la bonne nouvelle. Voici. J'ai porté le péché de l'humanité. Et je suis l'agneau qui ôte le péché du monde. Ce que Jésus a fait pour toi, il peut le faire pour les autres. Est-ce que tu le crois? Amen. Écoutez-moi, Église de Narbonne. Vous êtes appelés à vivre des expériences avec Dieu. Ça fait combien de temps que tu ne vis plus d'expériences avec Dieu? Ça fait combien de temps que tu n'ouvres pas la bouche pour proclamer des paroles de foi? Alors que ta copine de travail, ta copine de travail, ou ta voisine, ton voisin est méchant, méchante avec toi, au lieu de dire, punaise, celle-là, je ne la supporte pas, j'ouvre ma bouche, je me mets en prière, je prie pour cette femme. Est-ce que tu as le fardeau des âmes? Est-ce que j'ai le fardeau des âmes? Je prie pour cette femme, pour son salut. Et alors que tu pries, la prière fervente du juste, elle est efficace. Et tu vas en priant trouver le courage d'ouvrir ta bouche et de parler de Jésus autour de toi, dans ta famille, autour de toi. Quelqu'un peut dire amen? Je n'aurai pas le temps de tout faire, il y a trop de choses. La Bible nous dit que sa lampe à cette femme, elle ne s'éteint pas la nuit. À l'époque, au Moyen-Orient, parce que là, nous, on raisonne courant électrique, électricité, EDF, compagnie. À l'époque, non. C'était des lampes à l'huile. Hein? Donc, ça démontre en fait que cette femme, elle était riche. Car les pauvres, ils ne peuvent pas laisser allumer toute la nuit la lampe, car ils n'ont pas assez d'huile en fait. Hein? Et en fait, ça veut dire qu'elle est à l'abri de la pauvreté. J'aimerais dire que la pauvreté, l'appauvrissement de l'Église, c'est une Église où la prière est absente, où la présence de Dieu est absente. Mais la richesse d'une Église, c'est une Église assoiffée qui prie. Jésus revient chercher une Église qui prie. Jésus dira, priez. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver sur la terre. C'est rien tout ce qui se passe là. Dans les mois qui vont venir, vous allez voir ce qui va arriver. Ça va être de pire en pire, c'est ce qu'a dit la parole de Dieu. En fait, le mal va augmenter, la persécution va augmenter. Et toi, tu penses que ce qui arrive en Inde, ce qui arrive ailleurs n'arrivera pas chez nous. Tu te trompes. Mais au contraire, ça va augmenter. Et là, du coup, tous ceux qui sont superficiels, et qui n'ont pas de vie de prière, vous allez perdre la foi et vous allez renier le Seigneur. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Ne pensez pas que je suis dur dans ce que je dis, je suis vrai. Ma responsabilité, ce n'est pas de vous dire des choses, que vous avez, des choses agréables, c'est de dire la vérité, parce qu'ils connaîtront la vérité les affranchira. Mais en fait, je ne vais pas prier parce que j'ai peur. Non, parce que la relation avec Dieu, c'est une relation d'amour. Quand on est amoureux, amoureuse, on a envie. Moi, j'étais amoureux de ma chérie. J'étais à Paris, je travaillais à Paris. Je redescendais le week-end juste pour la voir des fois une heure. Ah, l'amour. Hein. Et après, avec les années, on continue toujours à aimer. Pourquoi? Parce que l'herbe, elle n'est pas verte, elle est plus verte ailleurs. L'herbe, elle est verte là où on l'arrose. Donc, on arrose, on arrose. Tu es belle, ma chérie. Bon, je ne parle pas à toi, là. Hein, Sam? Sylvie, tu es belle, ma chérie, tu es trop belle. Tu nous as fait à manger, tu as super bien cuit la viande hier, on s'est régalé. Patrick aussi s'est régalé, gloire à Dieu. Mon chéri, que tu es beau. Tu as rangé tes chaussettes. Alléluia, ça y est, tu y arrives maintenant. Des compliments, c'est important. Est-ce que quand tu t'approches de Dieu, tu as cette intimité-là? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu as une révélation de l'amour vraiment qu'il a pour toi? Est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur? Seigneur, j'aime ta présence, tu m'aimes. Il n'y a rien qui pourra faire que tu ne m'aimes pas. Même quand je fais scandale, que je fais tout de travers, que je te désobéis, Seigneur. Ton amour pour moi, il ne diminue pas, mais il reste toujours pareil. Mes amis, vous savez ce qui a fait que je me suis relevé de tout ça? Le moteur de ma vie, c'est l'amour de Dieu pour moi. Et c'est de savoir que rien ne peut éteindre l'amour de Dieu pour moi. Rien ne peut éteindre l'amour de Dieu pour toi. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Sa lampe ne s'éteint pas.
L'église qui croit, l'église qui avance, c'est une église qui est revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Cette vie d'en haut. Le Seigneur va dire une chose. Il va dire, allez à Jérusalem, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Quelle heure il est là? On a le temps? Hein? Ok. Je n'ai pas donné la référence, 1 Corinthiens 14. Est-ce que vous savez ce que c'est le parler en langue? Dites-moi, allez-y, je vous écoute. Comment? Un langage divin? Allez-y, allez-y. Comment? Louer le Seigneur? C'est quoi parler en langue? C'est une prière parfaite. La Bible dit, 1 Corinthiens 14, vas-y. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Vas-y, continue. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais. Donc, le parler en langue, c'est de la prière. Quand tu parles à Dieu, tu fais quoi? Le parler en langue, c'est de la prière. Donc, le Seigneur dit à ses disciples, pour que vous soyez mes témoins, pour que vous ayez des percées spirituelles, avant d'aller annoncer l'Évangile, avant d'aller et d'être une église vivante et efficace, tu as besoin d'attendre à Jérusalem et de recevoir le don du Saint-Esprit qui est une prière différente que ta prière en français. C'est une prière en esprit, en langue, que tu ne comprends pas. En effet, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est écrit comme ça. Alors c'est quoi le parler en langue? Parler en langue, c'est une prière. Et cette prière, elle est en esprit. Il y a différentes facettes de la prière, vous êtes d'accord avec moi? Il y a la louange. J'élève le Seigneur, j'adore le Seigneur. Merci Seigneur, il y a la reconnaissance. Tu as changé ma vie. Merci pour le travail que tu m'as donné. Merci pour l'épouse que tu m'as donnée. Merci pour les enfants que j'ai. Merci, merci Seigneur. Il y a l'intercession. Seigneur, tu vois, aujourd'hui, cette réunion, chasse toute incrédulité. Bénis mon pasteur que j'aime. Bénis-le, remplis-le. Tu pries pour ton pasteur? Oh, il n'y a pas beaucoup d'amen là-haut. Vous priez pour votre pasteur? Gloire à Dieu. Votre pastoureta, oui? Donc la prière, elle a différentes facettes. Intercession, louange, reconnaissance. Et donc la prière en langue a différentes facettes. Je prierai en langue, je prierai en esprit. L'apôtre Paul va dire tout le long d'un Corinthiens 14, il va faire ce comparatif. Je prierai en langue, je prierai dans ma langue, hein, et je prierai en esprit. Dans toutes ses facettes. OK? L'apôtre Paul va dire un truc, la première question que je me suis posée. Celui qui parle en langue ne comprend pas ce qu'il dit. Donc Dieu ne veut pas que tu comprennes ce que tu dis. Pourquoi? C'est une question, en fait. Alors, pourquoi? Est-ce que vous savez? Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on comprenne ce qu'on lui demande? Je vais vous répondre. Tout simplement parce que la prière en esprit, elle révèle que notre intelligence devient un obstacle à la présence de Dieu. Bien souvent, notre raison, notre intelligence fait obstacle à la présence de Dieu. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Nous, on s'imagine des choses et en fait, on peut penser des fois que c'est la volonté de Dieu, mais on se trompe. Je donne un exemple. Un jour, deux pasteurs, un pasteur français et un pasteur gabonais, ils sont en train de parler. Le pasteur français va lui dire, Togolais, je cherchais. Il dit, voilà, j'ai reçu quelque chose de la part du Seigneur, c'est que je dois aller en Algérie et servir le Seigneur en Algérie. Mais pas maintenant, plus tard. Donc le pasteur togolais, il dit, OK, ils se mettent à prier tous les deux.
Et le pasteur français se met à parler en langue. Et le pasteur togolais commence à rigoler. Et il dit « Amen, 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 gloire à Dieu !» Mais le pasteur français, il dit « Mais pourquoi tu rigoles ?» Et tu dis « Amen, amen, gloire à Dieu !» Il dit « Parce que tu parles ma langue. » Voilà, il ne parle plus, il ne bouge plus. Ok ? Ben, tu as dit « Seigneur, surtout, ne m'écoute pas et envoie-moi maintenant en Algérie. » Eh oui. Hein ? Ah oui, histoire vraie, oui, oui, c'est une histoire vraie. Mais je vais raconter une autre histoire vraie alors. Il y a quelques semaines, dans mon église, un homme vient, il est alcoolique depuis 40 ans, c'est la première fois qu'il vient à l'église. Il vient avec sa nièce qui est musulmane. Ce gars est possédé par des esprits impurs. En fait, c'est l'alcool, son lien était lié à des esprits impurs. Il vient dans mon bureau, je prie, je vais pour prier pour cet homme. Et cet homme était avec sa nièce qui était musulmane et qui venait pour la première fois. Je dis, écoutez, vous êtes chrétien, ça va. Eux, ils venaient pour la première fois. Je dis, je vais parler une langue que vous ne connaissez pas. Vous inquiétez pas, c'est de la prière. Bon, il me dit oui, mais je ne sais pas s'il comprenait vraiment ce que je disais. Mais en tout cas, quand j'ai commencé à prier, les esprits mauvais se sont agités et cet homme, il a été délivré. Amen, alléluia. Des esprits impurs et de l'alcool totalement. Amen. Des litres et des litres d'alcool. Et voilà que la nièce, elle se met à pleurer. Et je m'arrête, je dis, ça va ? Elle me dit, je ne savais pas que vous parliez ma langue. J'ai dit, non, mais je ne parle pas votre langue. Oh, elle pleure encore plus. Elle m'a dit, mais je ne comprends pas. Elle me dit, comment c'est possible alors? Et je lui explique ce que c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et là, elle est bouleversée. Et elle me dit, vous avez prié pour mon oncle. Et vous avez menacé des esprits impurs en leur disant d'aller dans un lieu que Dieu a préparé d'avance pour eux. Et vous avez prié pour lui comme si c'était un membre de votre famille. Est-ce que tu crois que quand tu ne comprends pas quelque chose et que le Seigneur appelle de la prière, c'est efficace? Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu crois que quand tu parles en langue, c'est efficace? Amen. Quand j'étais tout jeune converti, j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit. J'avais 16 ans. Et je ne sais pas, je ne me rappelle plus, j'avais peut-être 18, 19 ans. J'étais attaqué dans mes pensées. Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé. Et j'étais là, j'ai dit, punaise, je dis n'importe quoi là. Est-ce que vraiment c'est de Dieu? Est-ce que ça sert à quelque chose de prier comme ça? Et je n'étais pas bien. Et là, je prie le Seigneur. Je dis, Seigneur, j'ai vraiment besoin. Confirme-moi que ce que je suis en train de faire, ça sert à quelque chose. J'étais attaqué, j'étais sincère avec le Seigneur. Et le soir, je vais à l'église. Et là, je donne un parler en langue. Et là, il y a une interprétation. Et à la fin, il y avait ce jour-là un docteur en théologie qui s'appelle Soubi Malek, qui a écrit un livre pour l'islam, mais qui était traducteur de la Bible et expert en langue morte. Il vient me voir, me dit Patrick, il me dit, le parler en langue que tu as donné, c'est de l'araméen. Et l'interprétation, c'était exactement ça. À partir de là, je n'ai plus jamais douté du parler en langue et j'ai parlé en langue du matin au soir, du matin au soir. J'arrêtais pas. On peut applaudir le Seigneur? Écoutez-moi, pourquoi je suis venu? Pourquoi je suis venu ici? Pourquoi Dieu m'envoie à Narbonne ce soir? Juste pour mettre en lumière quelque chose de très important. On est pentecôtistes. Et c'est quelque chose d'important de savoir. À quoi ça sert le parler en langue? Quand tu parles en langue, ton intelligence doit demeurer stérile. Pourquoi? Ça veut dire que tu ne dois pas réfléchir. Tu dois laisser ton intelligence de côté. Et tu dois prier en langue. Alors, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, comment tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit? Alors, je vais te donner d'une manière pratique comment dans quelques minutes, tu vas parler en langue alors que tu n'as jamais parlé en langue. La Bible dit qu'il y a une condition pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'ai besoin d'être enfant de Dieu. La Bible dit qu'il donnera le Saint-Esprit à ses enfants. Donc si tu es croyant, tu as donné ta vie à Jésus, il n'y a rien qui empêche que tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Alors maintenant, comment, d'une manière pratique, tu vas parler en langue? Celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Écoute-moi bien, si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va parler. C'est toi, mon ami, qui prie. Hein, oui.
C'est moi qui décide quand est-ce que je prie. C'est moi qui décide quand est-ce que j'intercède. C'est moi qui décide quand est-ce que je suis reconnaissant à Dieu. Oui ou non? Eh oui. Donc, c'est toi qui prie. Alors, inspiré par le Saint-Esprit, mais quand tu pries, écoute-moi bien ce que je vais te dire maintenant, c'est très important. Quand tu pries, en français, quand tu pries, est-ce que tu ressens toujours la présence de Dieu? Non. Des fois oui, des fois non. Mais que tu la ressens ou que tu ne la ressens pas, tu as besoin de croire que tout ce que tu demandes au nom du Seigneur, tu le reçois et tu le vois s'accomplir. Oui ou non? Tout ce que vous demandez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez à mon nom. Il n'y a pas de décalage entre ce qui est écrit dans la Bible et ce que Dieu fait. Je le partageais avec Sam, j'étais en mission à l'île de la Réunion, il y avait 3000 personnes, il y avait 60 pasteurs, et Dieu m'a donné une parole. Il me dit, il y a deux femmes, ça fait 40 ans qu'elles boitent ce soir, je vais faire repousser leurs jambes. Et je dis, alléluia. Et quand j'ai réalisé, j'ai fait, aïe, aïe, aïe. Parce que là, il y avait 60 pasteurs, je dis, par contre, si je me loupe et que je me suis trompé, je ne suis plus dans le ministère, et c'est fini. Et là, j'ai eu un combat. Et du coup, j'ai pris le micro. Dès que j'ai fini la prédication, j'ai dit, allez, en avant, nous autres. Il y avait la crainte, hein, mais surtout, j'étais sûr que les paroles du Seigneur, elles changent les vies. J'ai dit, Seigneur, je t'obéis, je m'en fous, je t'obéis. Et j'ai dit, voilà, deux femmes, ça fait 40 ans que vous boitez. Ce soir, Seigneur, fais repousser vos jambes. Elles se sont levées, elles n'ont même pas eu le temps que je prie pour eux. Elles ont été guéries. Elles boitaient, après elles marchaient. Les gens se sont levés et d'un coup, il y a eu une action du Saint-Esprit et des miracles incroyables. Il y avait toutes sortes de pasteurs, il y avait Polo, il y avait plein de gens. Et ils ont raconté que des miracles incroyables dans cette soirée. On était 2500. Et des baptêmes du Saint-Esprit en pagaille. Et j'ai fait juste ce que je suis en train de faire ce soir. Enseigner et poser l'enseignement de 1 Corinthiens 14. Pourquoi mon intelligence, et je termine dans 2 minutes. Pourquoi l'intelligence, elle demeure stérile? Parce que Dieu veut qu'elle demeure stérile. Alors, imaginez un seul instant que je sois le diable. Je ne suis pas le diable, hein, mais imaginez. C'est un exemple. Si je suis le diable, je suis l'adversaire de Dieu. Oui ou non? Mon but est de semer la confusion parmi le peuple de Dieu. Si je suis le diable est le menteur dès le commencement et il sait faire que ça. Te mentir. Te raconter que des embrouilles et venir dans tes pensées encore et encore et encore pour te saper le moral. Et tu n'es pas sauvé, et tu n'es pas sauvé, et tu n'es pas sauvé, et tu as vu ce que tu as fait. Le casque du salut, et je suis sauvé, et je suis sauvé. Le sang de Jésus, et me lave et me purifie de tout péché. Et je suis son enfant, alléluia! Arrête de l'écouter, arrête, arrête. Mais dans le domaine du baptême dans le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir et il va dire, tu vois pas que tu dis n'importe quoi? Tu vois pas que ça vient de toi? Tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Ça vient de toi, ça ne vient pas de Dieu. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à te fermer là. Il arrive à te fermer là. Et qu'est-ce qu'on vient de lire? Ouvre ta bouche. L'Église n'est pas une Église qui ferme sa bouche, mais une Église qui ouvre sa bouche et qui saisit par la foi les promesses de Dieu. Alors comment tu vas parler en langue ce soir? Alors que je vais faire un appel, au moment où je vais t'imposer les mains, tu vas croire en cette promesse. Est-ce que tu crois que cette promesse, elle est pour toi? Est-ce que tu crois au mensonge du diable? Est-ce que tu crois au mensonge du diable? Non, tu l'écoutes pas. Walou! Tu l'écoutes pas. N'écoute pas l'ennemi de ton âme. Alors comment, d'une manière pratique, tu vas parler en langue? Alors si tu crois, le moyen de manifester ta foi, c'est d'ouvrir ta bouche et de parler en langue. Mais je n'ai jamais parlé en langue, moi. Et si ça vient de moi? Ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Humainement parlant, quand je parle en langue, humainement parlant, je dis n'importe quoi. Humainement parlant, spirituellement parlant, je ne dis pas n'importe quoi. Ce n'est pas parce que je ressentais que je disais n'importe quoi il y a 30 ans en arrière que je disais n'importe quoi. Hey, on est dans le domaine de la foi. Et alors que j'ai crié à Dieu, eh bien, Dieu s'est servi de moi quand j'ai parlé en langue. Toi qui es baptisé du Saint-Esprit et qui ne parles plus en langue, tu es en train de passer à côté de beaucoup de percées spirituelles dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta vie personnelle. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. C'est écrit comme ça?
1 Corinthiens 14, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Est-ce que tu crois que le diable veut que tu grandisses spirituellement? Est-ce que tu crois que le diable veut que tu progresses spirituellement? Tu parles en langue? Tout le temps. Très souvent. Et oui, pourquoi? Parce que ça marche, Diego. Ça marche. Ça édifie. Ça met le feu. Ça te dispose. Ça t'inspire. Hein? Voilà. 5 minutes avant, peut-être t'as un sale caractère, t'es pas trop bien disposé, ça t'arrive toi aussi, comme moi. Et quand tu parles en langue, ça va mieux. Amen. Tu dis, oh punaise, que je suis un abruti. Alléluia. Ah, excusez-moi, je suis franc. Amen. Mais si je dis pas la vérité, c'est pas bien. Vous allez croire que je suis quelqu'un d'exceptionnel, alors que je suis rien du tout. Écoutez-moi bien, je suis un homme comme vous, j'ai mes faiblesses comme vous, j'ai mes combats comme vous. Mais dès que je parle en langue, il se passe quelque chose. Il y a la présence de Dieu qui vient. Je deviens lucide, mes yeux s'éclairent. Et je me rends compte que j'ai de l'orgueil, je me rends compte que j'ai des combats. Mais de suite, le Seigneur me donne la bonne vision. Je parle en langue, je parle en langue. Plus que vous tous, dira l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que ça marche. Et quand tu commences à parler en langue, il y a des choses qui commencent à changer dans ta vie, dans ta famille. Vous savez, il y en a qui vivent des expériences, mais il n'y a rien qui change. Ça sert à quoi? Moi, quand j'ai vécu cette expérience, ça a changé ma vie. Alléluia! Et il y a les fruits, il y a les fruits de cette expérience. Qui c'est qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit? Levez la main, s'il vous plaît. OK. Eh bien, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit dans quelques minutes. Eh oui, gloire à Dieu, c'est normal. C'est rare, hein. Ces 5 dernières années... Sans prétention, hein, parce que c'est le Seigneur qui le fait. J'ai vécu des milliers de baptêmes dans le Saint-Esprit. À l'île de la Réunion, c'était à coup de 100 baptêmes dans le Saint-Esprit. Là, récemment, j'étais dans le Nord, 40 personnes sont venues devant. Et il y en avait beaucoup que ça faisait 30 ans qu'ils demandaient le baptême du Saint-Esprit. Et les 40 ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je suis exceptionnel? Non. Parce qu'ils ont cru à l'enseignement d'un Corinthiens 14 et qu'ils ont mis en pratique tout simplement ce que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a expliqué. Écoute-moi ce soir. L'ennemi veut te fermer la bouche. L'ennemi veut te faire croire que ce n'est pas pour toi, que tu ne le mérites pas. Mais personne ne le mérite. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas donné à des gens spirituels. Le baptême du Saint-Esprit est donné à des gens qui croient. Un Corinthien, les Corinthiens vivaient dans le péché. Ils vivaient dans le péché. Et ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas une question de péché, c'est une question de foi. Ce n'est pas une question de niveau spirituel, c'est une question que Dieu veut donner à ses enfants. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire ou pas? Si ce n'est pas clair, dites-moi. C'est important que ce soit clair. On n'a pas besoin d'un niveau spirituel élevé. Tu as besoin de croire. Est-ce que tu crois ce soir que c'est pour toi cette promesse? Est-ce que tu es enfant de Dieu et que tu as donné ta vie à Jésus? Et de la même manière que tu as cru que ton péché n'était plus sur toi, mais sur la croix, crois que cette promesse, elle est pour toi. Je voudrais inviter, voilà, tous ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, venez devant. Et maintenant, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Venez.